Des hurlements torturés, des cages... Ça fait pas de doute, on est dans un donjon. Trouvons le démon troublant de Vulgrim. Et arrachons l'artefact des mains de son cadavre. Ok, là tu commences à m'intéresser. Quelqu'un faisait des économies. Quelle importance. Notre but est l'artefact, pas l'acquisition d'âmes. Vulgrim a un penchant coupable pour les âmes et entasse tout un tas de conneries magiques dans son... On pourrait lui proposer un échange. C'est juste. Atteindre ce cristal d'ici? T'es sérieux, là? Dis-moi, si Lucifer est aussi dangereux que le dit le Conseil, pourquoi ils n'ont envoyé que nous deux? Mort et Fury ont d'autres affaires à régler. Il ne nous appartient pas de contester la volonté du Conseil. Il ne m'appartient pas de contester ta garde-robe, mais je trouve que ton armure aurait besoin d'autres visages flippants. Pourquoi faut-il que tout soit sujet à plaisanterie avec toi? Le Conseil... Faut vraiment que tu te détendes un peu. Le Conseil ceci, le Conseil cela... Tu veux entendre une plaisanterie? Une vraie? Non. Toc toc. T'es censé répondre, qui est là? Pourquoi révélerais-je ma position? Je détruirais simplement la porte et j'affronterais mon agresseur. Oh... T'es désespérant. Regarde, sous la grille. Tu crois que c'est l'artefact de Vulgrim? Ces glyphes indiquent une sorte de mécanisme de verrouillage. Il semblerait que notre mission sera plus difficile que nous le pensions. Parce que tu te souviens d'une mission facile, toi.
est beaucoup moins troublant. Récupère l'artefact et repartons d'ici. Et moi qui croyais que cet endroit te réchauffait le cœur. Tu sais pourtant que ton humour me laisse froid. Ouais, je sais que toute forme d'humour te laisse froid. Je demande pourquoi ce machin est si précieux pour cette goule dévoreuse d'âmes. On pourrait convaincre Vulgrim de nous en donner un peu plus. L'artefact en échange d'informations. Nous honorerons notre accord. Sérieux? Il devrait carrément nous prendre par la main et nous mener jusqu'à Lucifer. Alors retournons parler à Vulgrim. Dans son intérêt, je lui souhaite que sa générosité se soit grandement améliorée.